Fidèles téléspectateurs de Congolais Télévision, voici encore pour ce nouveau numéro. 13 juin 2024, nous souhaitons joyeux anniversaire au président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aujourd'hui totalise 61 ans d'âge. Oyo akosala na miboyo nyonso nzambe apesi ye na bambula nyonso wana. Toko pesa ye, joyeux anniversaire na ye, nzambe apambola, benisa. Pour être à continuer au Kamba Mokao et la République démocratique du Congo à bon port et surtout na ba défi na ba enjeu les amis ebelé na kati ya mboka oyo nzamba continuer toujours ko protéger ye pour que akoka ko Kamba mboka malamu to ko beta masole tali mboka nengi to lobaka lelo oyo actualité d'aller marquée par l'investiture du gouvernement souminois gouvernement oyo et d'aller bongo na six piliers est-ce lelo la grande question to ko monaka kokoma ezali elengi mingi ba idée ezali elengi mingi mais applicabilité ya programme gouvernemental yango nde esalaka problème lelo oyo es gouvernement souminois oyo nyonso ba promettre na oyo nyonso oyo ba commis na ba pilier na bango ba présenter et créer plus d'emplois et protéger les pouvoirs d'achat des ménages wana pilier liboso ya mibale ezali protéger les territoires nationaux et sécuriser les personnes et leurs biens. Et misato, aménager les territoires nationaux pour une connectivité maximale. Il y a 4, garantir l'accès aux services sociaux de base. 5, renforcer les capacités des services publics. Et puis 6, gérer durablement et de manière responsable l'écosystème face au changement climatique. Voilà les 6 piliers. Oyo ezali bongo. Na kati ya gouvernement soumino ezali bongo accompagné na 52 axes et bongo na 326 actions oyo kozala bongo mener na kati ya gouvernement soumino est-ce ça sera réalisable la grande question oto kosuana mwana mboka Michel Mangala zali na biso elongo toko beta na masolo parce que de l'autre côté déjà depuis hier remise et reprise de salami bongo na primature entre le gouvernement le premier ministre sortant Sama Lukonde et madame Judith Suminwa entrant oyo basali remise et reprise bongo ta la vidéo ezali bongo illustré toko beta masolo parce que na est la République démocratique du Congo pe kuna pe si tozali se konginda se akonginda parce que bitumba ko continuer toujours entre M23 RDF wazalendo FARDC bitumba ezali ko konginda parce que selon nos sources tozui information oyo ezali bongo to kotangela bino yango na kati ya émission na biso lelo to kobeta masolo mwana mboka Michel Mangala zali na biso to kobeta naye masolo ndenge to baka toujours masolo mboka ebeta makana bana mboka mwana mboka mbote na yo Mbote ndeko Olivier, mbote na ndeko wazali na machine, kombo zao kiwanga li susu. Avant toute chose, avec tout respect, je voudrais saluer et féliciter, plutôt souhaiter au premier citoyen du Congo, de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le David de la République, joyeux anniversaire à vous. Que Dieu te garde, que Dieu vous protège et que Dieu vous donne encore de l'énergie, de l'intelligence pour diriger plutôt ce grand Congo, ce grand pays, le pays de Lumumba, le pays de Mobutu, le pays de Kasavubu. Et la progéniture, nos progénitures, leur avenir soit assuré. Et nous voulons que vous soyez celui qui doit donner l'ego pour l'émancipation ou le développement de notre grand Congo, la République démocratique du Congo. Joyeux anniversaire, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Encore une fois, joyeux anniversaire. Voilà, donc on met ma solitaire l'imboka, mon amboka lelo oyo, investiture ici et salami, mon amboka Judith Suminwa. Akubanda Mosala, Mokola Lobby, peut-être vendredi, cause à la conseil de ministre Aliboso, le gouvernement souminois, Lelo Oyo, chaque ministre a causé la remise et reprise dans le secteur Naye, Lelo Oyo, six piliers au tout le monde, Nakati, le gouvernement souminois, l'applicabilité pose problème. Tout le monde a qui a Ngona Sama Lukonde, gouvernement des Warriors, avec plein de motivation et de volonté à causer la, mais tout le monde dit que
rien n'a été fait. Aujourd'hui, Judith Suminu arrive avec ses programmes élogieux, mais l'applicabilité, est-ce que ça va poser problème, mon ami Kabiché Mangala? Merci, merci, mon frère. Parce que Ezali Motuna et à Congolais Nyonso, parce que Turubango Boye, Nambo Kanabiso, les textes, hein, ils ont un problème. Mais l'applicabilité, Ndeyango, il pose un problème. Pourquoi? Parce que des fois, nous avons déjà, nous sommes déjà mal intentionnés. Non, na kotawana, donc na bonga, famille nanga, et bonga, donc, ozo kene déjà na idée ya ko s'enrichir. Tout à fait. Alors, ça pose un peu problème, na bato bazo ko appliquer, les gens qui sont censés de faire les choses pour que la population congolaise va se retrouver. Alors, soit déjà, tout ça, déjà, nous sommes déjà très mal intentionnés. Pour que ce qui au côté est comme tournaio, tournabino, yonali botanaio, là ça devient un problème. Mais notre souhait n'est que le gouvernement Soumina, Judith, maman Judith Soumina, et ça le meilleur d'eux. Parce que moi je soutiens que la femme puisse créer la différence. Ce hôtel est depuis 60 jusqu'à les années 2023. C'était les hommes qui ont dirigé la République démocratique du Congo, quelle que soit la présidence, quelle que soit la primature. Bon, je ne parlais pas encore de la présidence, mais je parle de la primature parce que la primature, c'est lui qui gère au quotidien la Respublica. Tout à fait. Donc, c'est lui qui doit tout faire que les choses marchent bien. Tout à fait. Alors, je ne veux pas que Mme Soumina, Mme Judith, Mme la Première ministre, a tombé dans le piège au Mibali Batomba. Moi, je souhaite que, en tant que femme, a créé différence. Parce que, basi babo tarabiso, basi ba soufraka na ba caprice yabana, basi batu ba edikarabiso, parce que ba parents, ba papa mingi, bazala kampé occupé mais bana batika la kana maman donc bazoka mingi éducation ya maman papa est là pour encadrer donc la femme azali est moteur ya bien-être ya famille n'est-ce pas alors je voudrais que maman Judith madame la première ministre a créé différence. Le Congo est en train de souffrir. Bana ya Congo bazo souffrir mingi. Là, nous ne pouvons pas mâcher les mots. Il faut dire les choses telles que ça se présente. Souffrance, c'est l'ekimakas. Prix d'achat, inflation monétaire. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas même des industries dans notre pays. Donc, la souffrance est totale. Alors, nous avons suivi le programme Naïe. Quand nous lisons la lettre, en tout cas là, il n'y a même pas à discuter. Là, nous avons dit que c'est un paradis. N'est-ce pas? Les choses vont changer. Et nous souhaitons, rêvons tous ensemble, que c'est un paradis. Dans le gouvernement, il y a un programme, ou plutôt, je m'excuse, un programme où il y a ça. Vous comprenez? Et Azala efficace, Azala leader, Azala, comment dirais-je, déterminé, à l'année là chaque ministre pour que dans chaque secteur, papa, ça le meilleur Nabango. Et là, encore, il s'appelle Singaï, et là, je peux s'assurer que les choses peuvent aller. Tant que vous fixez, vous structurez l'économie, l'économie en Boka, parce que l'économie, c'est Fandaramingi. Na ba minéré mais elle dit que les ba ko taxer mingi sur l'agriculture pêche et élevage donc et lo ko se pèse ngango wala parce que ceux qui ba miser ba tabler fort n'est-ce pas
sur l'agriculture, pêche et élevage, je pense qu'il y aura des, il y aura l'amélioration. Mais nous ne voulons pas assister, n'est-ce pas? Tout à fait. Na histoire, il y a Bukangalonzo. N'est-ce pas? Oui, comme dit Chant et des Tours. Voilà. Donc, tu y es bien. Depuis Nango Toyebaki, parce que c'est qui espoir et pas à Congomani. Mais la suite, si l'élo, tout le monde a été. Tout le monde a été un Kabila, un militaire, un policier, moi, tout le monde a été un Banda, si l'élo. Donc, tandis que. Il y a un service national qui est Kasongo Kabouik, le général. Non, non. D'ailleurs, je salue Kasongo Kabouik. Voilà les gens que les Congos ont besoin. Des gens comme des Kasongo Kabouik, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on l'a donné, on l'a donné la responsabilité, le travail qu'il est en train de faire dans son secteur. Il y a les rendements, il y a le résultat. Bravo à vous, mon général. Le Congo a besoin de vous. Mais qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui? Parce que tout le monde a mingi na kati ya ba, ya ba gouvernement, tout ba, ba chef, ya ba, ba, ba premier ministre, un conflit qui existe. Lilo Oyo, est-ce maman Judith Suminwa à cause de la bloquer par son parti politique, ou soit par les caciques au bâtiment dans le cadre du gouvernement, notamment Jean-Pierre Bemba, et bah, poids politique au bâtiment dans le cadre du gouvernement. Est-ce que madame Akozala a la mesure pour se tenir en leader pour qu'elle dirige le gouvernement Oyo sans ata parti politique naïe, il ne pèse mon pandi, ata bah, caciques au bâtiment dans le cadre du apport et gouvernement Oyo, Akozala toujours bloqué par bateau bâtiment dans le cadre du tout parti politique naïe. Non, Akozala bloqué par. Par rapport à quoi? Moi, j'appelle ça, ce sont des faux fouillants. Celle Moutako qui est bloquée, il est beau à sa supérieure, n'est-ce pas? Mais le ministre, non, non, même le ministre. Alors, dire que poids politique, le leader, leadership, il y a ministre Moko est bloqué, et premier ministre, on a un faux fouillant. Parce que même le ministre, qui, je prends, parce que vous avez cité Jean-Pierre Bemba. Tout à fait. Jean-Pierre Bemba Gombo travaille pour ce pays. Jean-Pierre Bemba Gombo n'a pas besoin de bloquer qui que ce soit ou d'empêcher qui que ce soit de faire des choses pour l'intérêt de son peuple, pour l'intérêt de la nation. Parce que Jean-Pierre Bemba lui-même, c'est un patriote. Imaginez, mon frère ami, tu sais, à des fois, ça fait mal quand les gens s'attaquent à Jean-Pierre Bemba. Moi, je dis que, et je continuerai à dire que, dans ces pays, Jean-Pierre Bemba mérite du respect, de l'honneur, de la considération. Mais il y a un ami qui est cité parce qu'on a vu, vu quand même l'espoir des Congolais à Jean-Pierre Bemba, la ministre de la Défense. Non, non, mais non, aujourd'hui, non. La transport, mon amour, Michel Mangala. Non, non, écoutez, laissez-moi dire les choses que je vais dire. Je vais te répondre par rapport au ministère des Transports. Beaucoup de gens, font la confusion. Vous savez que le ministère des Transports, les ministères clés à développement à Moko. Beaucoup de gens oublient ça. Bien sûr, la défense, c'est un ministère mort régalien, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais la défense est côté à Mbongote. La défense n'est bien sa Kambonga à la République. Parce qu'il faut acheter des armes, il faut acheter les tenues des militaires, il faut organiser cantine yaba militaire. Et ainsi de suite. Vous voyez? Tout à fait. Pour protéger la nation. Mbongo et Fouébima. Mais vous devez encore encourager Jean-Pierre Bemba parce que Jean-Pierre Bemba maintenant cherche à faire développer notre pays, organiser ce secteur. Parce que dans le secteur, il y a transport. Est-ce qu'il est piégé? Piège en quoi? Peut-être en 2028, et bah, Congolais batala qui a ah, moto Jean-Pierre Bemba dans le transport a échoué. Moi, je pense que c'est chance, c'est aller sous-té. Non, mais il est parti maintenant pour que à tombe la économie écolo. Parce que vous savez que route Banzela, ils allaient, comment dirais-je, ils allaient, ils ont facilité. Circulation, il y a bien un service. Tout à fait. Ils ont facilité, comment dirais-je, des certes agricoles et atteindre un endroit où ils sont propices. Vous comprenez? Et
aujourd'hui, nous avons passé route. C'est pourquoi vous voyez la difficulté au Tuzan Ango. Parce qu'il y a. Ils ont la nourriture du loco. Ils ont pour un acte à village. Moyen qui est atteindre Kinshasa, ils ont été moyen qui est atteindre province, ils ont été moyen qui est qu'il par-ci par-là, ils ont été. N'est-ce pas? Tout à fait. Mais Jean-Pierre Bemba vient pour organiser maintenant le secteur Rwanda. Mm. C'est pourquoi moi je suis en train de dire que le président de la République, il a fait, n'est-ce pas, meilleur choix, il a coupé ça, Jean-Pierre Bemba responsabilité, Wana. Parce qu'il y a beaucoup de désordres dans ce secteur-là. N'est-ce pas? Beaucoup de désordres. Sauf qu'aux yeux même, le service aérien, aux yeux service ferré, aux yeux même, par exemple, l'ONATRA. Bapor Nabisso, c'est il y a une désorganisation totale, n'est-ce pas? Mais à qui la faute? Est-ce que la faute? La faute à ceux qui à ceux qui ont géré tous ces secteurs, n'est-ce pas? Manque d'une leadership fort pour veiller pour le bon fonctionnement de ces secteurs là. Et Jean-Pierre Bemba, c'est un leader fort qui va donner un coup de pouce fort pour que le Congo ait un résultat au Buso Zulika, enfin que le Congo n'a pas eu un Akimia. Tout à fait. Oui, puis, par exemple, le service aérien, le Lotozana, le service Moko, Naroba, et ça, ma lame au Penate, ça l'est la Buso Awa. Comment on appelle ça? Un avion, société va créer la Buso Awa, Congo Airways. Les avions pourris. Déjà, si c'est ça, là, bah, quand tu vas peindre, bah, vu en gros, ça ne fonctionne pas. Donc, société en gros, là, prenons les cas, il y a LAC. LAC depuis Mobutu, tandis que c'était le meilleur. Comment? Meilleur service aérien, plutôt, je voulais dire, pour que. Et faciliter l'économie en Boka, et faciliter. Batouba qui est même qu'il y a plutôt un Mboka est bénéficié de la recette qui est écoulée dans le cadre de la service. Donc, aujourd'hui, rien de bon et ça ne m'a rassuré ce qu'on a. J'ai un exemple, il y a l'AC au CAC. On doit réhabiliter l'AC pour qu'ils aient un anime. S'il s'agit de créer une autre entreprise aérienne, il faut créer. Soit on attra, mon frère ami. Zoa Transco. Ah, écoute, il y a Golo Babou. Transco. Babis, il y a un là. N'est-ce pas? Il n'y a pas de route. Ville Kinshasa, Banzele Zalakate. Zoa même la route principale, où est-ce que la province? Bandoum de Kikuit. La route en Zap Supena était à Malamouté. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans le secteur Rwanda. Oyo eko changer l'image. Il y a beaucoup d'abisso. Mais le président de la République de l'Axégui, il y a une société à Mercedes pour fabriquer la Transco. Mais il faut donner un coup de pouce. La société est là. Mais maintenant, il faut un leadership fort dans le secteur. Attendez, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est ce que je suis en train de dire, qu'il faut un leadership fort pour mobiliser, éveiller, motiver, comment dirais-je, structurer, n'est-ce pas? Structurer, faire des réformes dans le secteur Rwanda pour que le secteur Rwanda est tombé. Parce que le ministère des Transports, malgré ça, le ministère régalien, mais ça, le ministère Moko qui contribue pour le développement de Mboka. N'est-ce pas? Alors, maintenant, Jean-Pierre Bemba vient pour donner ses coups de pouce afin que les gens voient les changements. Et je vous dis, vous verrez les changements dans ce secteur-là. Vous le verrez avec Jean-Pierre Bemba. Parce que toutes ces bêtises, toutes ces manœuvres, toutes ces magouilles qui se passent dans le secteur Rwanda,
ça va finir. Ah, vous pensez que les Congolais permis de conduire? Parce bien sûr. Les deux autres, bah, bien sûr. Ça, là, les feux chérubins et Marc et Kila. Là, je vous assure. Là, je vous assure. Même le président de la République, a le premier citoyen, il y a Congo. Hein, mais aujourd'hui, il y a Aléa. N'est-ce pas? Il y a quatre secteurs. Voilà. C'est ça. Les solutions apportées. Et je vous assure, les Congolais, ils ont carte et bah permis de conduire parce que des ordres des alakuna trop yo attendez mon frère c'est là na noté yaya c'est là na obi na kata secteur makpona makambu ya ba permis de conduire même beaucoup ezaki qui bloqué na maboko kati là obi ke nuno na pesa c'est quand il y a bisayo ce qui boye ba te bien ba congolais. Je comprends pas parce que Bolanda. Bon, moi je comprends. C'est le cas, il faut que Bolanda. Mais aussi la solution permet de conduire mon Neko. Mais il y a moins de gens. Tu sais quoi, je ne sais pas pourquoi. Je sais que la licence est pour que le marché soit là. Je ne sais pas si la société est là. Je ne sais pas si la famille est là. N'est-ce pas? C'est pourquoi tu vois, au moins, il y a des ordres qui ont sorti le permis. Si le tout ça a difficulté à permis. N'est-ce pas? Donc, il faut bloquer le permis et il sauve Kabila. Attendez. Société, on va payer ça qui pour que l'Ispagne va produire. Comment? Va permis de conduire. N'est-ce pas? Et ça qui, dans ma boko, il y a Zoé. Il y a famille à Kabila. N'est-ce pas? Tout à fait. Il y a eu beaucoup de choses. Alors, il faut faire des réformes, n'est-ce pas? Tout à fait. Il faut faire des réformes parce qu'on ne va pas viser les gens, mais on va voir l'intérêt de la nation, n'est-ce pas? Tout à fait. Mettre l'homme congolais à la place qu'il faut parce que si aujourd'hui le peuple congolais, sali, en travers le chef de l'État, sali, Jean-Pierre Bemba confiance ou Anna. C'est pour donner maintenant des solutions dans le secteur Yazali. Aujourd'hui, dans le secteur Yazali qui a défense, vous avez vu comment les réformes et Salément, vous avez vu comment il a structuré l'armée, vous avez vu comment il a convaincu le chef de l'État pour que nous puissions avoir acheté des armes sophistiquées pour faire face à l'agression terroriste, l'agression rwandaise. Vous avez vu tout ça, n'est-ce pas? Tout à fait. Et aujourd'hui, notre force armée est à féliciter parce que territoire au Babotolaki, colline au Babotolaki, aujourd'hui notre force armée congolaise est en train de récupérer. Tout ça qui avance mollo, et s'avance. Pouvons-nous dire que le bilan de Jean-Pierre Bemba dans le ministère de la Défense est positif ou est négatif? C'est un positif. Yo mona Jean-Pierre Bemba le kesika Jean-Pierre Bemba a échoué. Jean-Pierre Bemba n'a jamais échoué. Il n'a jamais échoué. Et vous allez remarquer ça dans le ministère des Transports. Tu as dit que Makambouze est belé kuna. Tu as dit que ceux qui seront mécontents, n'est-ce pas, quand il va faire des réformes, quand il va organiser, et ainsi de suite, pour donner un coup de pouce dans le secteur des transports, les mécontents, tout va à Kouyiba, Messana ba mafia, n'est-ce pas, ils vont commencer à raconter n'importe quoi. Ils vont utiliser les gens. Mais nous, on va fermer les yeux. On va fermer les yeux. Nous voyons l'intérêt yaba Congo pour les Congolais, nous par rapport aux individus. On ne va pas suivre les caprices des gens. On va mettre l'homme congolais au centre de tous les intérêts. Nakata secteur aux gens Pierre Bembazu. Et vous allez voir ça. Nous allons voir ça, Isali Bongo, promesse pour l'en côté là, parce que Malobaka Nengetokoloba toujours que présence à l'été se manifeste dans la régulation et la société beaucoup plus. Isali Bongo, transport aussi, parce que le Loba Congolais, autant pour les Isali, difficile. Motona Motona, pour ça, prix, n'en est naïe, bah Congolais, bah souffrir. Na kataote, mon frère ami. Aujourd'hui, le gouvernement, Maman Judith Soumina, a taxé. À la structure macroéconomique sur le plan de la productivité et la production, on a taxé qu'il faut travailler sur l'agriculture, pêche, l'élevage. Aujourd'hui,
on va créer le grand centre de production agricole. N'est-ce pas? Maintenant, s'il n'y a pas de route, si on ne travaille pas dans ce secteur, comment maintenant, il y a un peu de temps, et qu'on va peut-être faire ça. N'est-ce pas? Tout à fait. Si on ne relie pas la République entre est, l'Ouest, Nord, Sud, tu relier la route, tu faciliter, tu transformer, tu transporter même aérienne. Comment tous ces biens doivent arriver à Kinshasa? Notre pays est riche. C'est tous ces pays, si je prends par exemple à l'est de la République démocratique du Congo, ce sont les pays voisins, là, le Rwanda, l'Ouganda, tout ça, qui bénéficient de nos biens, de nos productions agricoles. N'est-ce pas? La Kinshasa coûte et comme à Kate. Donc, parce qu'il n'y a pas de route, le transport aérien est trop cher. Moi, je suis là, faciliter bango au lieu que baya vers est kotoyo Kinshasa et ba ndundu ici de suite ba comment obima na ba province et na ba pays étrangers Rwanda Ouganda donc ba faciliter marché économique na ba pays wana. Ce n'est pas du tout mauvais, c'est bien, mais d'abord il faut production ezalana nous interne ya biso na ba congolais et c'est que to bénéficier na yango, n'est-ce pas? Et après et Kokende Libanda. Donc, il faut maintenant faciliter. Ce n'est pas un petit problème, c'est un grand problème, c'est un grand travail. Il faut faciliter, tout relier, hein, la route Nabiso, la province Nabiso, nord, est, sud, ouest. Il faut Banzela Ezala, il faut l'avion Eko Makakuna, il faut, en tout cas, des réformes, le coût. Il y a transport, même il y a avion et à la minime pour faciliter maintenant cette, tous ces mouvements agricole nabiso ou alimentaire ou biens et services. Transport les gens ils allaient nasser en baisse. Congo Airways n'en parlons pas, ils allaient écouter la globalisation. Est-ce qu'il y aura des nouveautés ou soit on va repartir avec Oyo, Izaki ou Izali déjà pour que tout relève le secteur à transport? On doit partir avec le Izaki ou Izali pour maintenant créer du nouveau, n'est-ce pas? Faire du nouveau, améliorer, n'est-ce pas? Donner l'esprit du développement na katia ba entreprise wana, na katia ba société wana. Et après, créer d'autres sociétés, créer d'autres entreprises. Oyo, vous allez appeler générateur, il y a ma recette pour le développement yamboka. Tu vois? Oyo, vous allez que l'emploi, ils allez créer, dans le secteur, on a le Congolais, ils ont ça là. N'est-ce pas? Oyo, vous allez que quand le recette est là, on va améliorer le salaire, il y a le Congolais, il y a le fonctionnaire. Le salaire, il y a le travail. Donc, on ne peut pas venir changer les choses comme ça. Non, il faut partir là où, aux Makambu, pour amener maintenant vers le développement. Donc, c'est ce que Jean-Pierre Bemba va faire, Nakatia Ninuana, à cause de Kutaki, place à Kobongisa à Bongisi, place Oezaki à Kobonga à donner encore un coup de pouce pour commencer sous le meilleur. Et là où il n'y a pas, on crée pour Ezaki. N'est-ce pas? Dans le service, il faut que créer, regarde un peu, voir ferré Nabiso. N'est-ce pas? Tout à fait. Regardez, voir ferré. Donc, nous n'avons même pas train approprié, exactement. Oh, il y a dit que le régime passé à Kabila, il y a un peu de temps. Très loin, au Balobaki, voilà, ça m'échappe encore. TGV, voilà. Donc, on a TVG. Bon, voilà, Jean-Pierre Bemba aussi est là. On est en train d'attendre parce que. Jean-Pierre Bemba est venu parce que c'est un patriote. C'est quelqu'un. Oyo. Alingaka Congo naye, nation naye, alingaka peuple naye. Azoya. Pour que apporter quelque chose, même le lobby à cause de la caté, Batouba sa souvenir que non, il y a eu quelqu'un qui a donné l'impulsion dans le secteur, il y a transport et
aujourd'hui Mboka Ezali développé par rapport il y a Jean-Pierre Bemba. Voilà, donc on met ma solo na SRP démocratique du Congo et pas et puis ma source au totali na yango vient de nous signaler combat M23 RDF Wazalendo FARDC. Début ce matin des affrontements dans le village de Boutalo Ongola à une dizaine de kilomètres de la commune rurale de Kanyabaonga dans le territoire de Rutshuru. Selon les sources locales, la coalition M23 RDF AFC attaquer les positions de FARDC avant d'être repoussé par l'armée congolaise soutenue par les jeunes Wazalendo. En ce moment, les affrontements qui s'éloignent de Kanyabaonga et se poursuivent dans la zone. La société civile locale a encore une fois de plus alerté depuis hier soir que la coalition M23 RDF AFC renforce ses positions à Rwindi et à Vitumbi et à la limite entre la RDC et l'Ouganda. Selon un reportage de la VOA Afrique, c'est jeudi matin, un soutien de l'armée ougandaise à la coalition M23 RDF AFC s'est fait remarquer depuis 2023. Oh, il y a monté Jean-Pierre Bemba Kota, le cadre ministère de la Défense. Il y avait cette opération UPDF où ils ont associé l'armée congolaise et l'armée ougandaise. Et Lelo Oyo, on s'est rend compte que l'armée ougandaise est maintenant de mèche avec RDF, l'armée rwandaise, pour ne pas attaquer la République démocratique du Congo. Est-ce aujourd'hui les solutions peuvent provenir par la fermeture des frontières entre la RDC et le Rwanda, par Kokata? Opération conjointe, on a UPDF entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise. Peut-être que ça sera une solution, mon ami Michel Mangala. Non, vous voyez l'armée ougandaise jouer le double jeu. N'est-ce pas? Tout à fait. Et quand la République démocratique du Congo a compris, on a cassé. N'est-ce pas? Et fermer les frontières, c'est l'un des moyens. On ne dit pas que si vous fermez les frontières, il y aura des solutions. Mm. Moi, j'ai toujours dit ceci. Que pour que Kagame, pour que Museveni parvienne à nous respecter, n'est-ce pas? Il faut faire la guerre avec ce pays-là. Moi, j'ai dit, Bisso Batamaye le Toloba, Mayele, tout récit est vendu dans la théorie. Théorie Oyo, Kagame, Namuseveni, va utiliser théorie des désordres. N'est-ce pas? Tout à fait. Théorie des désordres. Du fait que Bazo utilise théorie des désordres, désordre de l'Ouzanakata Congo, ils ont bénéficié maintenant et pas dans Bangokuna. De l'Oba Congo, le Baokoufa. La richesse, la minerai à Congo, ils ont mis pour que bénéficier la mboka na bango. Alors nous devons casser ces désordres là. Donc pour que tout casser des désordres, voilà, nous devons aussi utiliser la théorie du désordre. On dit les désordres agencent l'ordre. Est-ce qu'on comprend? Donc, tu es de la même manière, la même procédé. Effectivement. Discipline paix, respect au quota. N'est-ce mais, pas? Mais qu'est-ce qui. Le lot, moi j'ai dit que ne bango ba bouma ba Congo Mali, ni se peut bouma bango. Et pourtant. Ce va boire qui bombe pas na biso biso peut-être boire qui bombe pour moi. Mais il se peut qu'il y a aussi la communauté internationale qui est derrière. Mais nous savons que c'est la communauté internationale qui est derrière cette histoire. Est-ce que nous aussi Congolais, nous sommes incapables d'avoir une communauté internationale aussi derrière nous? N'est-ce pas? Nous ne sommes pas incapables. Nous sommes tous sur cette terre des hommes. Ceux qui bango baken à gauche, biso qui à droite, ceux bango baken à droite, biso qui à gauche, pour créer l'équilibre, n'est-ce pas? Mais et qu'on qui consa le matin, mon frère, s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce que les chefs s'il de l'État s'il, la s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, suivez mon frère ami.
nous ne pouvons pas faire les édoux na bateau balili bisouté. Les Français nous aiment pas, les Américains nous aiment pas, les Anglais nous aiment pas. N'est-ce pas? Même Bakoko qu'on a mis ça, le Belge, il nous aime pas. Mais bien sûr, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Parce que l'Union européenne est fanduable. Siège à l'Union européenne, c'est ça, en Belgique. Qu'est-ce que le Belge font pour empêcher le complot contre la République démocratique du Congo? C'est qu'ils se complicent. Vous avez vu comment l'Union européenne a signé les accords avec le Rwanda pour l'exploitation des minéraux, tandis que le Rwanda bazana na minéraux. Ils n'ont que les cafés, les voilà. Thés, bango bazana yango. Vous avez vu aussi longtemps le Rwanda a une superficie. Vous avez entendu comment le secrétaire général des Nations Unies dire que nous sommes incapables. Il y a quoi empêcher bah M23 parce que bazana minduki yo ileka biso. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Donc avec l'Ukraine, avec la Russie, ils sont capables. Mais avec le M23 et la RDC, ils sont incapables. Allez-y comprendre quelque chose là-dessus. N'est-ce pas? Alors, ce bango va qu'en à gauche, puis c'est qu'en à droite. Ce bango va qu'en à droite, puis c'est qu'en à gauche. Mais nous sommes tous citoyens du monde. Mais la grande question, qu'est-ce qui manque à la République démocratique du Congo d'agir? Parce que ça fait plus de deux décennies, plus de trois décennies même. Vous nous dire aujourd'hui, c'est vraiment un combat. Et mon en face, il y a population mondiale, Mobimba. Mais qu'est-ce qui manque maintenant à la République démocratique du Congo d'agir? On dit que chaque chose a son temps. Et il faut agir au bon moment. N'est-ce pas? Vous savez que ceux qui sont derrière les Rwanda sont plus forts que nous. Parce qu'ils ont des armes très sophistiquées, plus avancées, nous n'en avons pas. N'est-ce pas? Mais maintenant, pour affronter ces gens, atteindre l'objectif de Bangote, il faut aller avec eux, avec toutes les stratégies. Il ne faut pas aller en besogne, sinon il y a risque que vous puissiez vous écraser. Vous avez vu comment Laurent Désiré Kabila a été écrasé. Parce que Laurent Désiré Kabila a commencé à les remettre hors d'état de nuit. N'est-ce pas? Alors, il faut agir au moment, à temps, avec sagesse et intelligence. Pour maintenant ramener ces gens-là à l'échec. N'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Donc, j'ai la ferme conviction que la République démocratique du Congo a déjà conscience de tout son peuple, de tous ses dirigeants, n'est-ce pas, de ce que nous sommes en train de subir. Mais nous devons faire les choses propres. Est-ce qu'aujourd'hui, mon ami Kamichi Mangala, vous rassurez la population congolaise que le gouvernement Suminwa apportera quelque chose? C'est ça mon souhait. Je parle en termes du souhait. Parce que jusque-là, ma continue à l'œuvre était. C'est aujourd'hui qu'ils ont commencé avec le remise de reprise. Le ministre, lui-même, Madame la Première ministre, avait fait le remise de reprise hier, mercredi, le 12. Donc, notre souhait en eux qu'ils parviennent à porter des solutions aux problèmes des Congolais. Je ne peux pas souhaiter le mal d'eux. Parce que si je souhaite le mal, c'est comme si que moi-même, Michel Mangala, je veux qu'il y ait vivre dans la situation où on a mené les lots. La situation, il n'y a pas si, il y a difficulté. Tout à fait. Avec mes compatriotes. Je peux que souhaiter Bango Malamo, base à l'auteur, il y a qu'à résoudre les problèmes des Congolais. Parce que ceux qui vont réussir, ils ont réussi Yamboka. Ils ont réussi Yamboka. Ceux qui vont échouer, Mbokande et Sanini a échoué. Et surtout que toi, tu as la deuxième mandat chef de l'État. Effectivement. La constitution a l'objet de l'immandat à Souka. Effectivement. Mais, je ne laisserai jamais l'espace. Je dis bien, je ne laisserai jamais l'espace à tout celui, tout ministre,
tout celui qui a la responsabilité de la res publica. Yaosa Mabé, s'il n'est pas au notaire, soit Osa Mabé, moi, Michel Mangala, Bao Yokanga, Navarro Lobango. Na kota guerre contre Bango, tu m'as dénoncé Mabé. Parce que Penaza n'a guerre contre Moutou. Parce que les pays bako lobe bako communicateur s'il vous plaît communicateur bako mana bango na batiro papa ngai ngai ministre bako communicateur belé bako mana bango Michel moi le kotro ya ba ministre yango été moi m'a dénoncé ma vérité zalité oya mabe iko sale ma yango ne bako bango betaka mon amour Michel mais exact est-ce que vous serez à la hauteur et à la mesure de sauver population congolaise face ya ba oyo bako diriger mabe moka ndeko na ngai Michel Mangala a déjà tout vu. Michel Mangala a été tabassé, a été humilié, a été arrêté. N'est-ce pas? Nous avons perdu. Nous avons pu perdre tout ça. N'est-ce pas? Et nous voulons tout simplement leur aider. Tout aider Bango. Parce que surtout aider Bangote, bah ça malam au pété, bah moi là comme si République est comme il y a Bango. C'est pourquoi biso tout y est bisa Bango, bah joue à responsabilité, tout ça quoi accompagner Bango. N'accompagnement bah salam à bété, bah t'as la intérêt y a Mboka, bah t'as la population à souffrir. Mais ce bah ça na mawa y a population té, biso pe vous allez peine à mawana bangote ngai na lo bango toujours hein ba te bele oh moi j'aime pas parler des gens tout ça non on ne parlera pas des gens comme l'individu hein Olivier Ningoza awa mais je dois parler de ce que toi tu as fait na responsabilité ba pesio donc c'est-à-dire je dois poser mes pieds mes analyses sur l'analyse stratégique. L'analyse stratégique fait quoi? Na o IDP bande ko ba minga musu ba communicateur o ba lokotaka maloba alaya ko loba ngo sans connaissance ya makambu. Qu'est-ce qu'il dit? L'analyse stratégique veut dire quoi? Dans l'analyse stratégique, on analyse les acteurs et leurs actions concrètes. Donc yo oza acteur, oza par exemple na ministère ya défense. Tu es déjà acteur. N'est-ce pas? Mais maintenant toujours analyser yo personne té. Mais toujours analyser maintenant ba action au acteur wana salini à sali. Vous comprenez? Parce que tu avais la responsabilité. N'est-ce pas? Na kota na vie privée na hotel na bana hotel moi si na yo bana na wana talinga ite. Ngai na ko se limiter uniquement na responsabilité au ba pesa ki yo. O sali yango ndenge e ni. Voilà, merci beaucoup mon amoka Michel Mangala to gomna suka 30 secondes. Message de la population congolaise. Ah, mais le l'émission que vous méritez. Les bonnes choses ne disent jamais. Bon, je voudrais tout simplement lancer l'appel, parce qu'on n'a pas parlé, mais en Boyville, à Kinshasa, il y a gouverneur Daniel Bumba, na vice-gouverneur Eddy Yeli. Tout à fait. Le message que je vais tout simplement lancer, c'est ça que Tata Mokonzi Ekolo à bimisi ordonnance pour que Babanda Moussala. On attend la notification du ministre intérieur. Nenge déjà à sa remise et reprise de l'eau. Nassima Basala pe remise et reprise na gouverneur sortant Ngobila. Comme ça, Babanda Moussala. Appel langa ya Ali Knim. Appel langa ya pa ya bana kisasa. Et Ali que. Et Sengelito accompagné Daniel Bumbana et Eddy Yeli. Parce que Bangonde Bazu chargé de Kinshasa. Mabe Ezali Mingi. Bosoto Evani na Katiamboka. Ma condition de vie ne répond pas. Alors, to accompagné Bango. Pour que Bazala na mesure. Il y a qu'on répondre, il y a qu'on paie sa solution dans chaque secteur
ya vie na kata ville ya Kinshasa. Mais ce qui t'a accompagné bangote et que total ba na musika toto bandika ka ko finga ko critiquer. Donc c'est-à-dire que biso moko to lingi te ke Kinshasa ibonga. Donc biso moko to lingi ke to zalaka na situation o to mesana ko zala. Mais eloko ya malunga et ozala tous à la solidaire na bango pour topé sa bango makasi bango babongisa ville ya Kinshasa. Kinshasa ezonga qu'une la belle ndenge za la kikala. Voilà, merci. Donc je termine par là que le gouverneur et le vice-gouverneur bazali bato oyo balia kana population batambola kana population bayebi pasi pe souffrance misère ya population tango bazali zwaki na nous charge ya république ya ville ya Kinshasa te tango bakoma kina bisika bango bakoma kite bino bato bosali ki bakoma wana bazala wana parce que bomonaki oyo bango babandaki kosala na bino bazaki na misolo na bango bako compatir na bino bako lia na bino bako tambola na bino boko sololaka maintenant bo pesi bango ba grand moyen o bako kosunga bino malamu sel to ko senga bana ya Kinshasa ba accompagner gouverneur na vice gouverneur pour que ba bongisa biso Kinshasa ndenge deja babandaki ko bongisa ba commune na biso tango bango bazalaki ni député ni gouverneur ni qui que ce soit mais ba fanda ki na bino ba ko lia na biso nyoso bana ya Kinshasa et sengo na biso ekozala soki biso nyoso to accompagner bango to pesa bango makasi pour que to yoke la bango parce que ko yoke ezali nde malamu to yoki pe to sa to saleli yango ekozala que mboka eke de liboso ba recette ekota na kati ya ville ya Kinshasa ba recette yo kokota ebongisa banzela na biso e créer ba emploi na kati ya ville ya Kinshasa bana Kinshasa ba kinwa bazwa pe misala Kinshasa na biso ezonga kine label. Voilà, na pesi bino merci. Voilà, merci mingi na banzi ete monsieur ici na ngwa grand merci. Ndenge aussi li kondi l'invitation ya Kongola FTélévision ndenge tukoloba wokolanda mwana mboka Michel Mangala na kati ya Kongola FTélévision toujours parce que isengeli population baye bakozala informé. Grand merci parce que ça na batu bele babenga banga tout approfondir encore le solo bakozo nga na plus 243 81 57 94 970 donc plus 243 81 57 94 972 beaucoup zanga pour sur la baptisation nabino et vous allez les bienvenus. Voilà, merci beaucoup na population nyonso dans le monde au Bokolanda biso à travers Congo Live Télévision na ba chers téléspectateurs et monsieur Sili ngana kota moi pilipili kaka mon amboka Michel Mangala toujours accompagné mon amboka Jean-Pierre Bemba Bitumba ebandi lelote ebandi mosika kino kokoma lelo ezali fidélité moko o ezali sous ya ko exprimer les sous-souté to moni ebele bozalaki na bitumba basili ko kende ba Jacques Njoli ba kenda e ba Thomas Lua kabalungwa ba mususu Germain Kambinga pe ya kenda mais yo toujours derrière mon amboka Jean-Pierre Bemba lelo assiette non, de non, Obi, je ne comprends pas. Partout je passe, même la cité, même la chaîne, même question. Bon, tout n'a été. Bozan a numéro à Jean-Pierre Bemba. Bozan a numéro à Fidel Babala. Bozan a numéro à Eve Bazaïba. Bozan a numéro à Lungwana. Bozan a numéro à Lenga. Hein? Bobenga, Jean-Pierre Bemba, Boye Bisaye. Parce que moi, je ne sais pas quoi je peux dire. Bissot, tu as dit défenseur, il y a peuple, tu as bunda pour la population, tu as bunda pour l'intérêt en Boka. Il n'y a pas de souci, pas de souci.
Barbara, chaque chose a son temps. Non, non, chaque chose a son temps. Tant au Zambé à Bongselanga Yali, papa. Peut-être tant au Minasala, et encore peut-être à Rosa Babé. Tant au Zambé à Bongselinga, tant au Sala, et à Pona intérêt national. Yo, ça n'a pas à créer le.